Juste, donc il va falloir laserer les nouvelles planches. Mais si tu veux, on peut voir ce que ça donne. Ouais. Ces étagères de style industriel constituent une forme si elle rentre. Looking good. Ça a l'air d'être bon. C'est magnifique. On a un petit souci. J'ai pas assez surélevé. Ouais. Ça passerait. Ça a l'air d'être bon. C'est magnifique. On a un petit souci. J'ai pas assez surélevé. Ouais. Je pensais que ça passerait. Voilà. Et si on découpait un trou dans la planche? Ouais. Comment ça? On prend les mesures du caisson et on découpe un trou tout autour pour le faire rentrer. On retire un petit bout de l'étagère? Oui. D'accord. Melinda et Kendall croiront que tu y avais pensé depuis le début. Surtout, tu dis à personne qu'on a frôlé la cata. Motus et bouche cousue. Allez. Aucun problème ne résiste à un bon mètre ruban, une scie à guichet et une bonne idée. Tu veux garder ce morceau? Quel talent! Super. Espérons que ça marchera. Je te le fais pas dire. La police mobilise ce soir-là une quinzaine de véhicules. L'équipage police secours de Fabrice est venu renforcer la compagnie de sécurisation. Ils vont prendre part aux opérations de maintien de l'ordre. Les autorités sont en train de faire un dispositif en fait.
savoir comment on va rentrer dans la rue de la solidarité. Quoi. Il y a une cinquantaine de jeunes qui sont là-bas. Ils ont préparé des palettes, des canapés, diverses planches de bois pour faire brûler en fait, là-bas. Et donc, je pense que ça va être assez hostile. Sur cette artère principale, tout est calme. Mais à quelques mètres de là, les policiers tirent des tirs d'intention de feu d'artifice. C'est qu'on est sorti loin quand on a un policier sur le terrain comme ça, la chance de la survenir. C'est ouais, surtout rétablir le calme quoi, parce que sinon on va pas y arriver. Malgré ces dernières provocations, les tireurs à court de munitions ont fui devant l'arrivée des policiers civils. Il ne reste plus qu'à déblayer les traces du combat. Les troubles ont cessé, mais personne n'a été interpellé. Et les gars qui viennent là-haut se sont échappés avant d'être arrivés. Mais bon, à mon avis, c'est que partir mid, ils vont remettre ça dans la soirée. Là, ils ont attendu que tout le monde, tous les effectifs s'en aillent, ils vont se remettre en place et ça va recommencer dans la nuit. Retour au commissariat vers 2h du matin pour une courte pause. Cette nuit est jusqu'à l'aube. L'équipage police secours interviendra encore 12 h. Les appels au 17 ne connaissent jamais de feu. Los Angeles, no.
une victime de la fusillade n'a pas survécu à ses blessures. Pour connaître l'identité du mort, nous allons voir les inspecteurs du CELI. On les appelle les Bulldogs, un chien réputé pour son caractère compliqué. Celui qui pourrait nous en dire plus sur le meurtre s'appelle Bill Carlo. C'est l'homme de Bruxelles. Le lieutenant Bill Carlo est le patron de l'inspecteur. Vous voyez, hier, on nous a noté son tableau, donc on nous appelle. Vous avez eu combien de meurtres hier? Hier, 3. Moi, je suis Pierre jusqu'à 6h du matin. Ça nous fait encore 24h. Dans quelques instants, vous découvrirez comment les agents du shérif jouent les prostituées pour piéger les clients. Tu veux faire l'amour? Fellation? Il est fiché pour outrage sexuel, donc il retourne en prison. Les enfants. Comme le best du moment.